Vous avez sûrement entendu le mot racisme et discrimination. Mais avant de vous parler de notre application, on va vous raconter notre histoire. Bonjour, moi je m'appelle Larissa, j'ai 12 ans, je suis en secondaire 1 et je vais à l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. On va vous parler de notre application qui parle du racisme. La raison pourquoi j'ai décidé de faire cette application, c'est parce que quand j'avais 9 ans, mon amie a vécu du racisme. Elle a eu beaucoup de peine. Elle s'est dirigée vers son casier en pleurs. Le lendemain, elle n'est jamais revenue. J'étais triste et fâchée de la situation. Salut, mon nom c'est Allison, j'ai 11 ans. Je suis à la 5e année du primaire. À l'âge de 8 ans, j'ai moi-même été victime d'une situation de discrimination dans mon école. À chaque fois que je marchais dans les couloirs, il y avait un garçon qui me disait que ma peau était du caca. Pendant les journées pédagogiques, il me répétait toujours la même chose. Et quand j'ai décidé d'aller voir un adulte, celui-ci n'a rien fait. Marissa et moi avons décidé de faire une application pour sensibiliser les jeunes au racisme dans les écoles. Dans notre sondage réalisé dans le milieu scolaire, 26 personnes ont répondu au sondage. 100% des gens qui ont répondu connaissent le mot racisme et discrimination. 73% des gens ont été témoins de racisme. Et 62% des gens en ont été victimes. On a donc décidé de créer une application pour les jeunes de 8 à 15 ans qui leur permettra de réfléchir et de s'exprimer en utilisant l'art. Grâce à l'application, vous aurez l'occasion de vous impliquer pour faire une différence. C'est très simple. Lorsque vous allez ouvrir l'application, vous allez pouvoir créer votre compte personnel avec votre propre avatar. Vous allez pouvoir lui donner un nom et les qualités que vous désirez. Aussi, à chaque jour, vous allez recevoir des citations motivantes à collectionner. Ces citations ont pour objectif de vous donner confiance, vous faire réfléchir et vous faire sourire. Chaque mois, une thématique vous sera envoyée par l'application, par exemple, l'école inclusive. En vous inspirant du thème, vous aurez le choix de composer un texte, poème, slam, un dessin, une peinture directement sur votre compte. Vous aurez 15 jours pour faire votre œuvre et nous l'envoyer. Ensuite, votre œuvre sera exposée dans une gigantesque exposition virtuelle qui se trouve dans l'application. Vous pourrez vous aussi aller voir toutes les œuvres d'art créées par les autres jeunes et leur donner des points. En vous impliquant, vous aurez la chance de gagner des prix à chaque mois, par exemple, billets de cinéma, entrée au musée, iPad, etc. Une fois par année, nous allons organiser une exposition dans une salle où vous et votre famille et vos amis seront invités à célébrer l'inclusion. Nous sommes fiers de faire partie de Technovation Montréal et de créer un changement. Merci!